Hey, bonjour à tous, bande de petits galopins violeurs de poules. On dit souvent que je suis vulgaire dans mes vidéos, alors cette fois-ci, je vais faire attention à mon langage et parler de manière courtoise. La finesse de mon langage rendra ce test tout ce qu'il y a de plus intelligible pour les intolérants aux mots grossiers. Sur ce, c'est parti pour le test sur Sekiro. C'est qui ? Sekiro est un jeu développé par From Software, le studio venu des enfers derrière la série des Dark Souls, une licence plébiscitée par tous les joueurs masochistes. Pour résumer brièvement aux quelques personnes qui ne connaîtraient pas Dark Souls, c'est un jeu exigeant dans lequel vous mourrez énormément de fois en vous heurtant à des adversaires qui vous mettent la misère, vous obligeant à vous surpasser pour avancer, résultant d'une satisfaction personnelle égale à un orgasme. Évidemment, le petit Sekiro est dans la même veine que son papa spirituel, alors autant vous dire que vous allez en chier des ronds de chapeau. Cela dit, on est très loin du royaume morose, froid et scellé d'un Dark Souls dont la musique ferait déprimer le plus joyeux d'entre vous. Mourir, c'est le fin ultime. Non, l'univers de Sekiro, c'est... bon, pas très joyeux non plus, car ça se passe dans un Japon médiéval durant l'ère de Sengoku, et je vous évite une blague sur Dragon Ball, mais globalement, c'est une époque durant laquelle plein de clans se mettaient sur la gueule. L'actuel clan dominant dans le jeu est le clan Ashina, qui a réellement existé au passage, et on joue un personnage que tout le monde appelle Lou, un shinobi en charge de protéger le prince héritier du Sang-Dragon. Dernier survivant d'une longue lignée, est lié à la protection du prince par un code de fer ordonné par son père. Et évidemment, même si le prince est un gamin de 10 ans, vous lui obéissez comme un bon chien-chien. Bon, tu vas me faire un chocolat chaud, et après on jouera à Fortnite. Oui, monseigneur, vous pouvez me cracher dessus si vous perdez. Je suis content. Sinon, en dehors de ça, oui, j'ai mis les voix en français. On n'aime pas tous lire les sous-titres en jouant, on n'est pas tous des pros VO, et pour moi, le Japon ne se résume pas aux animes et aux mangas. Du coup, j'ai pas besoin de faire semblant de comprendre le japonais pour me donner un style. Bref, j'aime le Japon, les sous-titres ça me fait chier, et que ceux qui me jugent sucent des p*** en enfer. Et merde, j'avais dit pas d'insultes. Oh, puis merde. De toute façon, je vais parler du gameplay, donc j'aurais jamais pu me retenir. Bon, la première épreuve à laquelle vous allez être confronté sont les conditions d'utilisation. J'accepte ou je refuse ? Et merde, je fais toujours les mauvais choix. Non, je vous rassure, je suis pas aussi mauvais, je suis allé un peu plus loin dans le jeu. Vous voulez voir mes premiers pas dans Sekiro ? Ouais, bah c'était juste pour voir ce que ça faisait quand on meurt. Parce que vous savez, je suis un PGM, je suis payé pour jouer aux jeux vidéo. J'avais donc l'assurance de rouler sur le jeu. Malheureusement, contrairement à Dark Souls, on ne peut pas jouer à un magicien spé boule de feu. Non, on est obligé de faire avec notre sabre et notre bras de shinobi, qui peut nous permettre d'utiliser des outils comme... des shurikens, une hache, un chapeau, un éventail, ma bite. Des corbeaux et d'autres trucs à la con. Évidemment, à côté, on peut faire évoluer notre puissance d'attaque en utilisant des trophées que les boss nous lâchent. On peut aussi augmenter notre niveau de parade et notre barre de vie, qui de toute façon est une blague, puisque la plupart des coups vous tuent en un coup, voire deux si vous avez de la chance. Du coup, on se dit qu'avec une telle exigence, le jeu doit être parfaitement juste et répondre efficacement aux commandes du joueur afin de se concentrer sur les combats et éviter de mourir dû à des soucis techniques. Ce serait franchement dégueulasse de faire jouer au joueur un personnage aussi fragile. Alors qu'on pourrait mourir à cause de problèmes de caméra. Ce serait franchement dégueulasse. De pas pouvoir voir notre adversaire parce que notre caméra filme le mur. Ce serait franchement dégueulasse. Que la caméra soit comprimée contre le mur, faisant un tel gros plan sur l'adversaire qu'on ne pourrait même pas voir les mouvements qu'on peut faire. Ce serait franchement dégueulasse. Qu'un jeu aussi exigeant nous fasse planter dans des décors, ce qui foutrait en l'air notre infiltration. Ce serait franchement dégueulasse. De nous mettre un tutoriel en plein combat. Vous savez, pile poil ce moment où vous devez parer un coup. Ce serait franchement dégueulasse que parfois les assassinats marqués par un gros rond rouge et quasi obligatoire pour certains boss ne marchent tout simplement pas. Ce serait franchement dégueulasse de perdre aléatoirement le ciblage de notre adversaire, ce qui nous empêche de parer quoi que ce soit. Et pour finir, ce serait franchement dégueulasse que les ennemis puissent taper à travers les murs. Ce serait genre super con pour un jeu aussi exigeant. Bordel de merde! Je suis d'accord pour dire que le jeu est dur. Et c'est une très bonne chose. Par contre, que le jeu manque de justesse technique, ça, ça passe pas. Quel que soit le jeu, mourir à cause d'un bug ou d'un problème technique, c'est la pire chose qui puisse arriver à un joueur. Après, j'ai quand même terminé le jeu. Mais j'ai perdu pas mal de temps à recommencer certains boss parce que la caméra part en couille ou je perds le ciblage. Même si c'est pas si courant que ça, hein, je vous l'avoue. La plupart de mes morts venaient de mon manque de connaissances sur les boss. Mais voilà, c'est ça que je veux. Mourir parce que c'est ma faute. Et surtout, réussir parce que j'ai bien joué. Comme par exemple contre
ce boss qui est considéré comme l'un des plus difficiles du jeu. Oui, oui, c'est lui, là, qui patauge dans une mare d'acide. C'est un boss assez pratique, car pendant qu'il meurt très lentement, vous pouvez promener votre chien, faire la vaisselle, faire l'amour à votre femme, promener votre vaisselle, faire l'amour à votre chien, faire la femme, ou toute autre activité d'environ 10 minutes. Et j'en vois déjà venir me commenter. Oui, mais t'aurais pu te battre contre lui à la loyale. Écoute-moi bien, je joue à un shinobi, pas un samouraï. L'honneur, c'est l'accomplissement de la mission, quels qu'en soient les moyens. Bon, cela dit, on ne va pas se mentir, voir les boss se suicider devant nous, c'est un peu moins sexy. Disons que la satisfaction personnelle n'est pas très présente. Bon, parlons un peu de l'infiltration maintenant. C'est très important pour commencer un fight. On peut one-shot les ennemis normaux et ça permet d'enlever une vie aux mini-boss, qui sont parfois plus durs que certains boss. L'infiltration nous permet aussi de faire briller tout le soin apporté à l'intelligence artificielle inexistante et complètement conne. Non, parce que entre les ennemis qui se prennent des morceaux de porcelaine dans la gueule, mais qui sont pas sûrs qu'il y ait quelque chose derrière le mur, les autres à qui j'en envoie plein la gueule mais qui ne bougent pas, et puis les ennemis complètement aveugles. Bon, après, les développeurs ne savent pas gérer une caméra, alors gérer une intelligence artificielle, je suis discret comme une ombre! Cela dit, ces talents d'infiltration vous seront très utiles contre des ennemis d'envergure titanesque. Au moins aussi titanesque que ma passion pour les jeux vidéo, évidemment. Même si ce serpent a peu de choses près à la taille de mon pénis. Eh, c'est ceux qui en parlent le plus qui baisent le moins. Ha! Belle phrase de puceau. Ta mère te parle souvent de sa bite? Non! Donc selon toi, c'est une sacrée dévergondée? Ha! Allez, dégage! Évidemment, le jeu n'a pas que des défauts, et certains boss sont de véritables défis. On meurt et on apprend. C'est un jeu qui tente de nous pousser dans nos derniers retranchements, dont l'objectif est de nous surpasser pour avoir le droit d'aller à la prochaine étape. Ce n'est pas un jeu qui vous donne tout, vous devez le mériter. Le challenge, ce n'est pas un élément malléable du gameplay, il est l'élément principal du gameplay. Et contrairement à Dark Souls, vous n'avez pas de manière facile d'appréhender le jeu. Vous êtes forcément au corps à corps avec un katana. Pas de bol pour ceux qui avaient l'habitude de jouer magicien. Et ouais, c'est fini de rouler sur le jeu et oser prendre du plaisir. Ici, vous allez en chier comme tout le monde. Mais contrairement à tout le monde, est-ce que vous allez relever le défi? Est-ce que vous ferez partie des rares ayant été jusqu'au bout du jeu? Ou est-ce que vous ferez partie de ces quelques personnes qui l'ont acheté mais qui l'ont trouvé tellement dur, comme ma bite, qu'ils mettent des 0 sur 20 sur jeuxvideo.com pour se venger? Lol. Alors les nuls, on sait pas jouer? On est mauvais? J'adore ce jeu, mais j'en peux plus de mourir en boucle. Tant qu'il n'y aura pas de mode facile, je laisse la note de 0. Oui, je rage, et c'est légitime. Mais oui, quelle bonne idée de vouloir mettre un mode facile et dénaturer la philosophie même du jeu. Franchement, je pigerai jamais. Toute l'année, vous avez des jeux qui sont simples et accessibles au plus grand nombre qui sortent. Pourquoi est-ce que pour le seul jeu qui vous donne un peu de fil à retordre, vous voulez absolument le normaliser et le vider de toute sa substance pour que votre manque de motivation à avancer le fasse devenir un jeu parmi tant d'autres? Au pire, si ça vous fait chier de jouer, allez regarder les scènes sur Game Moviland. Si les développeurs l'ont conçu ainsi, c'est qu'il y a une raison. Après, effectivement, je comprends la rage de certains qui ont acheté ce jeu 70€ et qui se retrouvent bloqués sans pouvoir avancer parce que, bah, soit ils ont loupé un truc, soit ils savent pas jouer. Mais sortez-vous les doigts du cul, une fois pour toutes, au lieu de quémander un mode facile. Moi, je pense que vous êtes trop habitué à avoir le contrôle et que vous êtes aussi capricieux que des enfants. Malheureusement pour vous, le jeu est PEGI 18. Sur ce, passons au point presse. Et on commence avec Gameblog cette fois-ci, qui a mis la note de 9 sur 10. Alors, on aime. C'est très grisant d'en venir à bout. Et des mécaniques de combat prenantes et grisantes. Vous avez quoi avec le mot grisant, bordel? Il vous a fait quoi? Foutez-lui la paix à ce mot. Des décors sublimes. Sublime, sublime, c'est joli, mais sans plus, faut arrêter un peu. En même temps, je me demande ce que vous trouvez moche chez Gameblog. Ah ça, vous sublimez le léchage de cul, et je pense que les entreprises de jeux vidéo doivent trouver ça très grisant. Allez, on passe à jeux actu qui ont mis la note de 17 sur 20. Les plus, la VO en japonais autoritaire. Quoi? C'est une nouvelle langue, le japonais autoritaire? Dans les moins, une IA pas très affûtée. Non mais, pas très affûtée? Une huître dans le coma réagirait de manière plus naturelle. N'ayez pas peur des mots, c'est une IA de merde, oui, de merde. Sinon, au niveau de la presse, j'ai pas grand chose à dire puisque tout le monde dit la même chose. En gros, le jeu est dur et c'est sympa, mais l'IA et la caméra, c'est nul. Du coup, je vais passer à la note, en concluant sur l'hypocrisie des joueurs face à Sekiro. Cette note des lecteurs est un parfait exemple. Pourtant habitué aux challenges et jeux difficiles, là il est trop hard et va stopper plus d'un joueur. On aime la difficulté, mais pas la hard difficulté. Écoute-moi bien, soit tu aimes la difficulté, soit tu ne l'aimes pas. J'en ai marre de ces joueurs qui s'inventent une vie de challenger pour justifier l'injustifiable. Je comprends parfaitement que des joueurs n'aiment pas le jeu pour sa difficulté. C'est pas un drame, mais arrêtez de vous déresponsabiliser si vous abandonnez. C'est que vous ne vous êtes pas assez investi, c'est tout. Pour conclure, le problème c'est pas le jeu, c'est vous.
Sur 20! N'hésitez pas à regarder d'autres tests si celui-ci vous a plu et n'oubliez pas les 1 mois de VPN gratuit en description. Je vous invite à vous abonner, à liker, à me suivre sur Instagram. Je vous invite aussi au Ritz, mais c'est vous qui payez. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur le test de Days Gone. Je vous rappelle aussi que mon anniversaire est le 26 avril. Allez, ciao 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 et abonnez-vous à PewDiePie!